Bonjour. Comment avoir un job tout en étant SDF? À Paris, un SDF qui distribuait des CV dans le métro a réussi un jour à décrocher un entretien, sachant qu'il fait ça depuis 2012 et qu'il a obtenu des petits jobs de temps en temps. En Gironde, une Girondine ou un Girondin, enfin je sais pas, avait essayé de faire le buzz en faisant une chanson pour You. Pas YouTube, mais You le Foc. À l'heure où j'écris ces lignes, la vidéo possède environ 5000 vues, 19 pouces bleus et 9 pouces gris. Maintenant, on part de la France pour aller au Royaume-Uni. Où là, une grand-mère de 99 ans a reçu une lettre de l'hôpital qui confirme sa grossesse. Bon, ne vous inquiétez pas, c'était une erreur. Mais il y avait bien sa bonne date de naissance. Et au Canada, Peter McCarthy est un chanceux qui déjà à son adolescence s'est fait frapper par la foudre, mais a survécu. Puis plus tard, il a gagné $1 million au loto, avec un doté, hein. Selon les spécialistes, il y avait une chance sur 2,6 trillions de vivre ça. Ça veut dire 2,6.000000. Enfin, je sais pas. Mais les nouvelles boules démoniaques, elles sont trop chères. Comment on va faire pour arnaquer les joueurs du loto? Oh là là. Ah oui, j'ai une idée. Je vous donne les boules, mais en échange, je vais foudroyer une personne. Ouh, mais c'est risqué, ça. Bon, d'accord. Ah, je flique. Mais ça n'a pas marché. Bonjour, je suis un robot en acier. Inoxydable. Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, hein, comme les désinformations internetisées, et surtout partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, pour tout le monde.